Et c'est vrai que là ce soir c'est un combat non seulement de rédemption, mais en plus eh bien ça peut le hisser au niveau, bah, vous l'avez cité, de Fabio Quagliarella, hein, en tous les cas, avec Damien Lamos, c'est-à-dire les références de la catégorie au niveau mondial, hein, au niveau export français mondial. Voilà. Alors Lampard Tetsutin a une expérience très très longue, 180 combats, 160 victoires pour 20 défaites, mais il a un gros handicap, c'est la taille, 10 cm de moins que Bobo Sacco. Bobo Sacco qui peut profiter donc de son allonge, de cette taille plus importante. 1m70 pour le Thaï, 1m80 pour Bobo Sacco. Bobo Sacco, 50 combats, 47 victoires, 24 succès avant la limite. C'est un très très bon pourcentage. Donc Bobo Sacco, il sait mettre ses adversaires KO. Oui, c'est pour ça qu'on avait été surpris face à Kouliaba. Bobo Sacco qui, j'espère pour lui qu'il n'a pas trop la pression non plus. Il faut qu'il se libère en tous les cas de l'enjeu de ce soir. Et qu'il boxe bien comme il nous l'a montré toutes ces années passées, avec son talent naturel, son sens tactico-technique. Et puis profiter de cette allonge. Ah oui, voilà, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oh oui, très très bien. Ça va vite. Ça sort vite de la garde de Bobo Sacco. Avec le Thaïlandais qui semble inamovible, hein, qui se déplace même pas. Tetsutin qui a choisi, voilà, de travailler sur du contre. Beaucoup de front kick pour repousser. C'est bien ça. Ok, oui, c'est bien. Continue dans sa jambe, Bobo. Tu bloques pas. Avec tes bras, attention. Envoie les bras. Voilà. Bien récupéré là encore, le low kick. Rocher low kick. Belle combinaison du classique et ça fonctionne. Il lèvera à la fin de la première reprise, une très très bonne reprise pour Bobo Sacco, Jean-Paul. Ah oui, vraiment une bonne reprise. Bon, on ne peut pas dire que le Thaïlandais Lampard Tetsutin a beaucoup il n'a pas été loquace, on va dire, hein. Oui. Il n'a pas été dispendieux, il est resté mais alors vraiment dans le modèle classique du round d'observation, et il a laissé Bobo Sacco s'exprimer, peut-être pour mieux comprendre la boxe du jeune français. La jambe avant, elle va, le middle jambe avant, il va te permettre de rester à distance. T'as compris? Oui, celle-là, Bobo. La jambe avant. Pourquoi tu ne l'envoies pas? Tu l'as pas envoyé depuis tout à l'heure. Allez, envoie la jambe avant. Ça va, gros? Tu viens regarder sur le truc. C'est bien. Tu tiens bien comme tu le fais. Tu fais pas plus. Là, juste, tu montes un peu d'un cran. Eh, hey, t'as vu? Tu l'as fait mal. Tu l'as fait mal dès le début. Les types, attends, arrête. Les types au visage, attends un peu. Ah, bah, parce que là, tu... Hein? Hein, t'as compris? Bon, tranquille. Beaucoup de complicité dans le coin, on le sent, Jean-Paul. Tranquille. Là, tu montes. Ouais, toute l'équipe du club de Melun. Hein, le B, c'est juste à côté. C'est Melun, oui. Bord de Seine. Et c'est intéressant dans ce discours pour aussi calmer Bobo Sacco au cas où il serait anxieux peut-être de choses qu'il aurait réussi ou pas réussi. Tenté ou moins bien tenté, enfin voilà, ça remet les choses en place et ça le rassure. En tout cas, on va partir dans la deuxième reprise et on va voir si Tetsutin va se montrer, comme vous le disiez Jean-Paul, un peu plus loquace, ou s'il reste dans cette position d'attente. Ah, il va pas pouvoir attendre constamment parce que de toute façon Bobo Sacco a pris pour cible notamment ses jambes, et voilà, tout de suite là c'est lui qui prend l'initiative en ligne basse. C'est bien. L'esquive est derrière le low kick. Gauche-droite. Voilà, il faut qu'il allège cette boxe. Et le high kick. Très très bon début de deuxième reprise de Bobo Sacco. La saisie, le middle.
l'action et le contre. De toute façon, tant que Tepsoutine, on ne l'aura pas vu en action à l'intérieur avec les coudes, on n'en saura pas plus. Car c'est là qu'il va être vraiment dangereux quand les deux hommes vont être en clinch. Il va falloir que Bobo Sakho travaille tout de suite ses genoux. Ah, on sent quand même qu'il est gêné, Tepsoutine, avec cette allonge différente. Les 10 cm vont compter dans ce combat. C'est pas toujours le cas. Hein. Il y a certains combats avec certains combattants où la différence de taille ne compte c'est pas. Ah, c'est bien bloqué. Où ils ont cette faculté ou cette habitude de boxer avec des boxeurs plus grands. Donc ça leur convient. Et là, on a senti que Tepsoutine, lui, il était bien embêté pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas trouver la clé. Le combat est à l'initiative de Bobo Sakho. Oh, attention, c'est Pierre Tournay et la réplique en low kick. Il enchaîne bien sur ses esquives, Bobo Sakho. Ça aussi, c'est bien. Beaucoup de middle pour le Thaï. Ok, et remise. Pour l'instant, il a pris pour le ballon Bobo ce combat, Bobo Sakho. En restant malgré tout assez prudent. On voit, il est vigilant. Il a bloqué beaucoup de tentatives de Ricky. Attention, parce qu'on tournait. Pas perdre le fil. Celui-là, il est bien arrivé sur middle. Et preuve qu'il est gêné, hein, Jean-Paul Tepsoutine. Oui, il on est gêné. On a encore vu le clinch. Non, il n'a pas réussi encore à rentrer dans le clinch. Rien du tout. Et a priori, il ne le cherche pas non plus. Et ce qui est assez rare, eh bien, c'est Tepsoutine qui a la cuisse rouge. Oui. Et ça n'arrive pas souvent. De voir les boxeurs thaïlandais se faire martyriser sur la ligne basse. Et pour l'instant, eh bien, c'est Tepsoutine. Quelle expérience, hein. 180 combats, 160 victoires. Rendez-vous compte. Ah bah regardez, hein. On parle des Thaïlandais. Bah, un glorieux ancien. Ah oui. C'est Soudaret. Ah, qui a fait les beaux jours, hein, de la boxe thaï en France aussi, superbe. Elle s'est bloquée, large gauche. Oh oui, c'était bien ça. Dommage qu'il n'ait pas pu l'appuyer plus ce crochet. Boxe bien libérée de la part de Bobo Sakho, qui doit rester extrêmement vigilant car il avait dominé son dernier combat face à Kouliaba jusqu'au moment où, sur un terrible backfist, il s'est fait mettre KO. Cueillir. Ah oui, vraiment. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête de cet homme, Tepsoutine, qu'on a vu, qu'on a trouvé? J'ai envie de vous dire un petit peu attentiste, Jean-Paul. En tout cas, il est sur la réserve, il est sur la défensive. Il n'arrive pas à casser la distance. Il n'arrive pas à venir dans sa filière à lui, qui est plutôt le clinch, qui est plutôt le travail avec les genoux, les coudes. Aussi à cause de Bobo Sakho. Et on va voir si dans cette troisième reprise, eh bien, les choses vont un petit peu évoluer. Ou si Bobo Sakho va conserver son avantage de distance. On l'a vu, voilà, avec cette double esquive. Les choses doivent évoluer pour le Thaïlandais, hein, parce que de toute façon il est en train de perdre là au point. Il faut dans cette reprise charnière, la troisième, qu'il s'exprime différemment, qu'il arrive à marquer des coups, à inverser le cours des choses. Alors est-ce qu'il en a les moyens maintenant face à la grande taille et à l'énergie de Bobo Sakho? C'est
peut-être pas sûr. Peut-être un boxeur fatigué, Tepsoutin, avec ses 180 combats, 30 ans. Enfin, il présente encore de très bonnes qualités physiques. On voit au niveau de son jeu de jambes. Oui, et puis on peut peut-être se dire, Jean-Paul, que finalement, Bobo Sacco, ce chaos subi face à Kouliaba était un accident, qu'il vaut beaucoup mieux que ça, et que ce combat lui permet, vous parliez de rédemption tout à l'heure, lui permet de repartir. Voilà, c'est le premier clinch qu'on voit depuis le début de ce combat. Et on a plus vu Bobo Sacco en action que Tepsoutin. Joli public. Il a bien saisi avec les deux petites droites dans la garde de Tepsoutin. C'est un beau combat, Bobo Sacco en tout cas. Attention, il avait tenté de retourner. Coup de retourner. Il faut continuer, hein. Faut continuer, Bobo. Oui, donc d'autant qu'on l'a bien vu, à chaque fois, il bloque les middle, Bobo Sacco, et il réplique, soit en middle, soit en low kick, et il trouve les solutions. On va sans trop de déplacement hein, pour l'instant. C'est vrai qu'il ne bouge pas beaucoup en tête soutine. Il reste posé sur ses appuis. Il attend avec sa boxe en contre. Middle puissant quand même hein, de la part du Thaïlandais. Oui, mais ne pas... dérange pas Bobo Sacco. C'est ce que j'allais vous dire, Jean-Paul. C'est pas étonnant de voir un Thaïlandais avec des middle puissants. Donc Bobo Sacco s'y attend, quoi qu'il arrive. Exactement. Mais par contre, on ne voit pas grand-chose d'autre du côté de Tepsoutin pour l'instant. Non, en tous les cas, rien qui pourrait mettre en danger le Français. Bien à l'abri, derrière sa garde, avec sa taille. Regardez ici, Bobo Sacco en action avec l'Anglaise. Les larges crochets. Le but, il attend. Ce coup de retourné qui est vraiment pas passé loin. Ça aurait été terrible pour Bobo Sacco de tomber encore sur un coup de poudre retourné. Oui, c'était un coup de poing retourné avec Kouliaba. Si ça avait été encore une technique retournée, c'est vrai que ça aurait été terrible. J'ai l'impression qu'il ne cherche que ça, Tepsoutin, ce coup de pied, ce middle. Et toujours la même problématique entre ces deux combattants. Et là encore, on va voir si Tepsoutin a décidé d'accélérer ou s'il va continuer à faire la même chose. Et en tout cas, à chaque fois qu'il tente Jean-Paul, eh bien il est quand même puni par Bobo Sacco. Il y a de très très bonnes répliques. Alors est-ce que c'est la première fois que Tepsoutin rencontre un adversaire 10 cm plus grand que lui et que ça l'ennuie vraiment? La droite d'abord et puis le semi-crochet uppercut du gauche. Et on a vraiment l'impression qu'il ne trouve pas ses marques dans ce combat. C'est vraiment ça, Jean-Paul. C'est vraiment ça. Hein. Attention, rendez-vous compte, un seul clinch
depuis le début, on est presque à la moitié de la quatrième reprise. Attention de ne pas baisser la main gauche hein, pour Bobo Sacco, car la droite de Tepsutin attend son heure quand même. Ah, il n'arrive pas à trouver son rythme, le Thaïlandais, toujours pas. Se méfier des coups à la volée. Et puis se méfier aussi, Jean-Paul, probablement, des coups. Alors peut-être pas là tout de suite, c'est peut-être encore un petit peu tôt. Mais en tout cas, d'ici à la fin du combat, il est sûr que Tepsutin tentera deux ou trois coups décisifs, un peu emportés, un peu... Comment ce sera construit, mais il n'aura pas le choix. Une technique un petit peu particulière, un petit peu bizarre. C'est sûr qu'il essaiera. Wow ! Il a glissé, j'ai eu peur. Ouais. Le middle lui a fait mal. Finalement, non, il a glissé, Bobo Sacco. Oh, Junior, continue avec les middle, oui. C'est vrai que c'est à toi à moi, Jean-Paul, mais ça continue avec les middle du côté Tepsutin. Il n'y a rien de mieux. Voilà, on vous parlait de ces techniques qu'il allait tenter un petit peu... Elle a désespéré, mais presque, vous l'avez vu, il a enchaîné avec la tentative de coup de coude retourné Tepsutin. Et il faut se méfier, il faut rester vigilant pour Bobo Sacco, parce que ça peut faire mal. Alors, il lève les bras, Tepsutin. Oui. Bah, écoutez, pourquoi pas, après tout, hein. Oui, mais en même temps le temps passe, le temps passe vite. On a vu qu'il n'avait pas tenté énormément de choses. Il a tenté ce coup de pied, il a continué son retournement pour essayer de travailler avec le coude. Ça n'a pas suffi et on a assisté à une bataille de middle. Voilà, sur cette action-là, ça c'est une action qui peut être dangereuse pour Bobo Sacco. Et la bonne droite là qui passe en cross de Bobo et le petit uppercut qui remonte. Exactement. Dommage qu'il n'ait pas pu mettre un petit peu plus de poids de corps derrière, ça aurait été bien. Ouais, ça passe à côté. Et ouais. Là, la technique retournée. Et oui, Jean-Paul. Et il en tentera d'autres dans la cinquième, Tepsutin. C'est le dernier rouge. C'est le dernier. La dernière reprise entre Tepsutin en short de rouge et Bobo Sacco en short de bleu. Et il va falloir qu'il tente quelque chose maintenant Tepsutin, Jean-Paul. C'est évident de toute façon, parce que là il est mené au point et on n'a pas l'impression d'avoir senti qu'il donnait toute sa mesure Tepsutin dans ce combat, même s'il paraissait très satisfait de lui finalement. Jusqu'à la fin de la reprise précédente, il levait encore les bras en réclamant des applaudissements du public. Exactement. Mais pour l'instant, on ne voit pas comment on pourrait retirer le bénéfice de ce combat à Bobo Sacco. Il est encore touché avec la droite, un petit peu à bout de course. Mais ça passe dans la garde du Thaïlandais. Allez, c'est bien, voilà.
Et en même temps, Jean-Paul est dominé, mais ça glisse, hein. Ouais, ça glisse sur les... C'était mouillé sur le ring. Oui, le Thaïlandais Jean-Paul, qui est malgré tout dominé par Bobosako, mais qu'on n'a jamais vu vraiment en danger, et qui a l'air plutôt bien, plutôt lucide quand on voit son regard, quand on voit son visage. Ah, il faut pas se laisser impressionner. Tenter ça. Beaucoup de poids retourné, le batteriste. Il faut continuer, Bobo. Il faut continuer le même travail. Ne pas se laisser impressionner, surtout pas. Hein. C'est du bluff là, de la part du Thaïlandais. Il n'a pas grand chose à montrer. Il fait toujours rien finalement. De l'esbrouf. Ah oui, vraiment. Les répliques de Bobo Sako. Allez, Bobo. Encore, encore plus. Il faut accélérer un petit peu. Il en faut plus. Pour être certain de remporter la victoire. Il reste une minute, allez, une minute et trois secondes. Gauche-droite de Bobo Sako. Dans les 40 dernières secondes. Allez, c'est pas maintenant qu'il faut prendre un coup. Ah non, restez concentré, bien monter les points. Voilà, encore la droite. Surtout pas parce qu'il va en tenter une, c'est sûr. Encore Tepsutin. Et il touche bien avec son direct Bobo Sako. Et ça empêche Tepsutin d'avancer, ça le garde à distance. Les 10 dernières secondes qui vont se terminer dans le clinch. Ouais, alors que Bobo Sako a ramené le Thaïlandais dans son coin. Ouais, et ça le met à l'abri, ça le met à l'abri pour cette fin de combat, Jean-Paul. Combat très sérieux, beau combat de Bobo Sako qui est tombé sur un adversaire qu'on a senti quand même très handicapé avec la différence de taille. Oui, on a cru tout d'abord à une stratégie classique avec l'observation. Et puis finalement, c'est vrai, on avait parlé des coudes qui arriveraient. Il y a eu une tentative de coucou de retourner qui est vraiment pas passé loin. Mais là encore, le problème de distance à jouer. Et finalement, oui, la grande taille de Bobo Sako lui a certainement permis de rester à l'abri d'une part. D'autre part, de toucher plus souvent son adversaire que ce dernier l'a fait et devrait lui donner la victoire. Et donc déclaré vainqueur de cette rencontre internationale France-Thaïlande. Faites de lui, faites de lui, faites de lui. Et oui, la victoire de Bobo Sako face à Tepsutin. Une belle victoire en forme de rédemption pour ce boxeur français qui avait été mis KO lors de son dernier combat. Il est bien venu, mais c'est vrai qu'on a senti Tepsutin très gêné par le handicap de taille. 51e combat, 48e victoire pour Bobo Sako. Nouveau combat donc dans la catégorie des 71 kilos.